Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir. Ce soir, ça va chier. Voilà, donc on se retrouve pour attaquer le Ming. Alors le Ming, on a regardé, vite fait. Il a plus de 270 000 hommes, mais avec une limite de 400 qu'il n'atteint donc pas encore. Et sachant qu'il a 251 000 de réserve. Donc du coup... Ça va être probablement un peu violentissime. Il va y avoir du misplay, c'est obligé. Ouais, il va y avoir, ça c'est clair, il y a de grandes chances, ouais. Donc pas plus de vitesse 2, ce sera en alternant entre la vitesse 2, voire la vitesse 1, selon. C'est clair. Il n'y aura clairement pas plus haut pour cet épisode, hein. Il va falloir se concentrer, là. Je vais regrouper mes bateaux un petit peu, et puis où est-ce que t'as une province où je pourrais poser mes troupes? Tu cherches des provinces pour pas avoir d'attrition? Bah bon courage, hein. Ouais, moi j'ai des petites armées, moi. Enfin, je fais des armées exprès pour qu'elles puissent se poser sur des provinces sans prendre d'attrition. Mais même comme ça va être chaud, la majorité elles ont 30... Bah tu vois, là j'ai fait une ligne, et j'envoie le mec à Tank Tanoa, et ça le fera. Mais de toute façon, on va commencer à avancer sur lui, donc... Oui, bah écoute, quand tu veux, pour moi c'est bon. 60 jours, je finis de recruter quelques troupes pour compléter mes régiments pour être à ma capacité maximale, c'est-à-dire 160 000. J'enlève la pause alors. Pas plus. Je remets en vitesse 3 le temps de les recruter. 48 jours, je les ai. Là, on se regroupe et on rentre au port. J'ai un diplomate qui arrive de toute façon, donc je redescends en vitesse 2, ça me permet d'analyser. Qui viendra avec nous? Personne. Comme ça, au moins, c'est analysé vite fait. Le Ming est allié au Jaunpur? Ah l'enfoiré, il vient de s'allier au Jaunpur. La tristesse absolue. Oh non, comme s'il l'a senti ou quoi? Bah c'est possible, hein, double rival. Ah bah du coup, il faut que je rapatrie au moins une armée alors. Oh. Allez, c'est reparti les gars. Mais j'y crois tellement pas. Et il viendrait? Ah ouais, carrément, ouais. Guerre défensive, ouais. Bah alors dans ce cas-là, il y a la possibilité... Ouais non, si on attaque le Jaunpur, il vient aussi. Je me disais avec un peu de bol, il vient pas, et puis on peut se faire le Jaunpur et l'affaiblir, comme ça il viendra plus. Mais non, bah c'est pas grave, on va se taper le Jaunpur aussi, hein. Ouais, c'était pas prévu par contre. Je vais rapatrier, il avait 60 000 hommes à peu près, le Jaunpur, je vais rapatrier ce qu'il faut pour le gérer, et puis... Et l'Arakan ne viendrait pas. Ça. J'ai essayé, mais je m'en doutais. Hein. Ouais, bah, sans plus, il est tributaire, donc... Ouais, je vais tenter, mais j'y crois pas, hein. Ça va pas marcher. Laisse-moi le temps de faire un aller-retour avec mes troupes, et puis... Non, mais t'inquiète, vas-y. Il a toujours pas fini sa guerre, Assam, là. Je sais pas ce qu'il fout. J'aurais bien voulu le vassaliser vite fait avant. Faire le temps. Faire une revendication contre le Ming au passage. Tout qu'à faire. Ici il va nous manquer un chouïa pareil pour le spécialiser aussi. Bon. C'est cool. J'avais tenté mais de toute façon j'aurais dû me douter que ça passerait pas parce que pas 10 points de faveur. Je me suis allié à la Transoxiane pour tenter de... Vu qu'ils sont collés au Jaunpur. Malgré que c'est super, c'est intéressant pour eux et tout, mais non, ils ne doivent pas 10 points de faveur. Pourtant, c'était tout bénef pour eux. Hein. Tant pis. Et puis j'ai vérifié, je peux pas faire preuve d'exigence de grande puissance pour péter leur alliance. Ils veulent pas, étrangement. Ouais, étrangement, ouais. Bah, c'est pas grave, hein, on va les défoncer, c'est tout. Enfin, dire, voilà quoi. Ouais, bah, de toute façon, oui, c'est sûr, ça n'est qu'une difficulté en plus, hein. On va pas se laisser emmerder. Pif paf pouf, un bâtiment, on va poser un fort level 6 ici, c'est parti. Le sang va couler, bah oui, bah, ça je te le fais pas dire. Hein. Ah là, pas de soucis. Dans tous les sens du terme et pour tout le monde, hein. Y a personne qui va être épargné. Hein. C'est clair. Oh. Et l'alliance avec la Transoxiane, hein, tant pis, hein. Au revoir. Je dis pas les malus de réputation diplomatique que tu dois te taper. Ouais, ouf. Même pas.
Est-ce que t'as une ligne de fort pour défendre ton pays qui pourrait être intéressante? Parce qu'on pourrait s'occuper d'écraser le jaune pour le sortir et puis après s'occuper du Ming, quoi. Bah, je suis niveau 6 un peu partout, mais... T'en as un là, t'en as un là... Ouais, oui, bon, il faut que je les remette d'ailleurs. Il a quand même moyen de traverser. Au centre, là où il y a mes 34 000 hommes, là, il peut passer comme du beurre. Je les ai remis en derrière. Ah ouais, non, il y a un fort derrière, c'est pas mal. J'ai remis en état d'ailleurs. Perte de 1 stab ou perte de 426 ducats. Taras. Ah, bah, c'est cool, c'est le bon moment. Ouais, ouais, toujours. Ouais, bah tant pis, on va perdre 426 ducats. Alors, encore un héritage. On en est où en karma? Parce que je devrais gagner du karma si je te suis dans la guerre. On est à moins 19. Ah, là, on gagnerait plein de blé. Tout pile. Agitation locale, perte de... Ouais, bon, on va faire ça. Allez, hop. Comme ça, on rembourse notre emprunt. Et on n'en parle plus. Voilà, ça c'est fait. Bon, ces enfoirés sont à 189, quoi. Vous êtes sérieux? 189? Non, mais le Ming, y a pas une alliance de toute la partie, quoi. T'es dégoûté, là. Bah... Ouais, tu devrais l'être aussi. Ah bah moi, de toute façon, je comptais taper sur le jaune pour, donc tant qu'à faire. Ouais, mais si on pouvait... On aurait pu éviter en même temps. Bon, bah ça va être encore plus de plaisir pour les viewers, peut-être. On va encore plus galérer. Tu vas gérer le Jaunpur avec une armée? J'en ai pas une, j'en ai deux. Ah, bon. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Bah écoute, je vassalise Marwar et puis c'est bon pour moi. Hop là. Voilà. Et ben c'est bon pour moi. Alors, c'est... Par... Avant qu'il s'allie à quelqu'un d'autre. Ouais. Carrément. Qu'est-ce que c'est le meilleur casus belli? Conquête, reconquête. Bah regarde les... le mandat céleste. Ouais, peut-être pas quand même. Ouais, non, ça c'est peut-être un peu. Enfin, en tout cas pour l'instant. Mais non, je sais pas. Regarde les bonus, ce que ça te donne droit, etc. Hein. Ouais. Je regarde ce qui est plus intéressant entre la reconquête. L'objectif de Bear est de prendre la province. 100% expansion agressive, 100% de prestige, 100% d'or. Tandis que la reconquête, c'est 25% d'expansion agressive pour la territoire, 100% de prestige et 75% d'or pour retour d'une province légitime. Ouais. Parce que j'ai un casus belli sur Dali. Tu vas avoir un casus belli pour ton vassal. Ouais, pour mon vassal, ouais. C'est une conquête hein, standard. Ouais. Ça. Donc non, je vais prendre pour moi et on va prendre, on va demander Lianzhu peut-être. Où est-ce qu'il est Lianzhu? Ouais, ou Naming, peu importe. Lingwin, allez, Lingwin, on appelle Selan dans la guerre, on appelle, c'est tout. Rakan il veut pas, Ivan il va se faire foutre. Attention. Okay. Eh ben non, je refuse. Alors, nous y gagnerons 25 en karma si on accepte, c'est parti. Ouais, j'en profite pour monter un impôt de guerre, moi, pour le coup. Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a du point, on va en profiter. C'est que, bon, comme j'ai la corruption, j'ai 4 de corruption, du coup... Bah en avant, hein. Allez hop. Ouais, en avant. J'en profite tant qu'on est en pause, qu'on n'aille pas au même endroit. Tu vas où toi du coup? Je m'occupe de Yunnan là et des deux provinces en dessous pour l'instant. Après, okay. Il va falloir que je gère un peu côté jaune pour, donc il va falloir que tu hésites à me dire où est-ce que faut aller. Ouais, ok. Moi je pars un peu à l'ouest, à l'est. J'ai bien évidemment oublié de rapatrier mes bateaux. C'est pas drôle. Ah oui, donc il va y avoir un beau fight, effectivement. Bah, en même temps, on voit 67 000 hommes en train de s'entraîner, du coup, c'est oui. Quand même... C'est on, quand sait même qu'il... on sait qu'il fait... Il fait des grosses armées, du coup, ça veut dire. C'est ça. Ouais, bon, le gros fight, je devrais le gagner, parce qu'il a quoi, 10... Il va côte de machin, là-bas. Ouais. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je regardais où allaient ces 4 bateaux qui faisaient du pirate, là. Mais... Allez, go.
Alors, est-ce que notre jeune pour a rejoint comme prévu? Oui, c'est parti donc du coup. Ah, Sam qui me demande l'accès militaire, bon, je vais lui donner. Oh putain, mes bateaux qui se sont fait prendre en tenaille. Allez vite. Ouais, je suis beaucoup trop loin pour t'aider là. Eh ouais, putain. Accès militaire de la part du Bengale. Ah, je commence bien, tiens, j'ai fait n'importe quoi. Là 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 là. Attends, excuse-moi, je viens de perdre un mec juste au début de la guerre. Je vais donner un coup de main, ça va peut-être aider. Si j'ai perdu du bateau. Morale navale plus 10, ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, il a 51 galères, moi j'en ai que 3. Ouh. Ouais, puis c'est pas censé être le plus efficace en... Bah on est en mer intérieure. Ah, c'est une mer intérieure ici. Ah ouais, putain la vache, c'est une mer intérieure ici quoi. Bon, cela dit, je suis en train de prendre le dessus quand même. Ouais, c'est pas possible, je peux pas me mettre en fort quoi. Ouais, je vais quand même gagner la bataille. Oh, il y a 83 bateaux qui... barre-toi, barre-toi. Oui. Je fuis. Oui. Oui, ça passe. Ah, c'est bon. Ouais, je les range, hein, par contre. Hein. Je m'excuse, mais c'est... Alors, il y a... Attention, il y a 38 000 Mingwa qui passent, là. On peut leur sauter dessus, si on veut. Alors, est-ce qu'on attend qu'ils se déplacent à Guyang pour ça? On peut pas aller à... On peut pas aller à Guyang. Il y a le fort, mais on peut essayer de les poursuivre. Alors attends, si en marche forcée on les attrape. Par contre, faudrait peut-être que tu te mettes en marche forcée. Ouais. Marche forcée, alors attends. Je m'arrête. Mais tout. Marche forcée et. J'envoie mes 40 000 qui sont en dessous aussi. Ouais, au cas où il envoie des renforts. Si on arrive à se faire une petite victoire pas trop dure ici, ce serait cool. Ce sera déjà ça de prix, effectivement. Ici, ça se passe comment? On a juste 1000 jaunes pourrés pour l'instant. Je vais jouer un peu en dézoomé, hein. Ah, ouais, tu ah putain, ils sont là-bas, les 60 000 jaunes pourrés, ils sont là-bas, ok. 60 000, oh la vache. Et il a un général 3 étoiles cet enfoiré. J'enlève la oh pause. Oh la vache, ça va être tellement galère pour toi. Bah, je vais essayer de le sortir, hein. Ça va être assez simple. Hein. T'hésites pas à faire des pauses, hein. Franchement, tu te lâches sur les pauses. Ah putain, il ramène du monde là-bas, on va ramener les 30 000 hommes. Oh, il avait pas full moral. Il était combien? Il était que 21 aussi. Bon, là, les troupes du MIG, on est en train de les éclater. Et on les a stack wipe. Et il y en a. Il peut pas interrompre son mouvement en face. Ouais, tant mieux. Donc il va se monter sur nous. Il commence à perdre des troupes comme ça, moi ça me va. Hein. Ah, c'est clair, 60 000 hommes qui dégagent. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est fait. Double stack wipe. Oh là là, c'est beau ça. Bon, okay. Bah du coup je vais à Guyang prendre ce qu'il y a à côté du fort. Comme ça je pourrai envoyer mes canons. Quoique, je sais combien de canons? 12, ouais. C'est 12 le bonus max, il me semble. Non, c'est 20. Bah du coup, si c'est 20... Ici, on peut pas avancer, hein. Non. On va aller là, on va aller là, du coup. Dali, il a même pas de troupes, en fait. Putain, il sert vraiment à rien, lui. Si, il a 4000 hommes peu en dessous, là. Il prend des trucs, hein. Merde, mais je l'avais enlevé, la marche forcée. Qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Comme Keda qui arrive. Et moi, j'essaie de faire en sorte qu'il se sépare un petit peu le jaune pour, et si je peux, j'y sauterai dessus. En plus, il a 42 000 séparatistes bengali qui viennent lui popper dans la gueule, donc ça c'est toujours bon. C'est toujours C'est bien ça. Ouais, J'espère que ça va en profiter pour péter au Ming aussi. Parce qu'à mon avis, quand il a des rébellions, lui, ça va être pas mal aussi. Hein. Ouais, mais normalement, il est censé exploser les Ming, mais avec le. Le ouais, DLC patchs, du mandat céleste, ça arrive quand même vachement moins. Ouais. On va faire en sorte que ça arrive. Tu cries s'il se passe des trucs du côté du mur, parce que je vais devoir zoomer sur jaune pour là. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Pas d'inquiétude, je m'en occupe. Merde, une révolte chez moi. Ah non, c'est chez mon vassal, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il décide de faire des trucs. Putain, il a deux générales 3 étoiles le mec quoi. Un petit coup de pause si tu veux, je crois que t'as des troupes qui bougent, qui servent, qui sont stable. Tu m'as compris. Ils font rien. Ouais, mais je vais faire le grand tour si je veux bouger à cause du fort, donc je vais rester là. Ok, ça marche. Je vais piller un petit peu, une fois n'est pas coutume. Allez, ça marche, je remets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Non, l'autre qui meurt quoi, sérieux, un nouveau roi, 4-1-6. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie lui? Détection des espions étrangers, ben, c'est super, parfait. Bienvenue.
putain la vache, le mec il a 57 ans, son héritier il a 53 ans quoi. Ah vache. Je fais vite fait un petit tour des mariages royaux. Voilà, là j'en ai plus. Et moi, financièrement, c'est une grosse catastrophe. Alors ici, il s'est regroupé, donc je peux pas faire grand chose. Efficacité commerciale. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, on se détend. Ici, on va choper 1000 hommes, ça sera fait. Fais gaffe, t'as le Ming qui se balade hein, chez toi. En bateau. Chez moi précise. Ah oui, en bateau. Bateau, oui, exact. Je vois tes 74 bateaux là, ce serait dommage qu'ils se fassent. Ouais, j'avoue, je sais pas ce qu'il fout d'ailleurs, parce qu'il aurait probablement pu me défoncer. Mais enfin, j'ai quand même 17 navires lourds. Hein. Oui, non, mais peut-être que ça se passerait bien, mais je préfère t'en informer. Non, mais t'as bien fait, parce que j'avais sorti la flotte pour éventuellement te l'envoyer, puis au final, bah c'était pas possible quoi. Est-ce qu'il aurait des jets intéressants ici? C'est des terres arables. Voilà, donc là on y a pourri 20 000 hommes totalement, 1000 hommes totalement gratuitement. Par contre je pense qu'il va me sauter dessus, ouais. Pause. Alors ici il me saute dessus. Vas-y. Il me saute dessus. Ouais, on va devoir abandonner le siège. Hein, parce que si je laisse que 1000 hommes, ceux-là vont venir me défoncer. J'espère que tu vas arriver à t'en débarrasser rapidement et qu'il va pas te poser trop de problèmes lui. C'est quoi comme terrain ici? C'est de la prairie. Les Indes occidentales qui font des trucs chez moi. Solde retardé. What? En quel honneur, solde retardé quoi. Perte de 22 000 sur les réserves militaires. Oh! Ah, ça fait mal! Pourquoi ça arrive toujours au bon moment ça? Ah, il va amener des renforts. Non, c'est bon, il se barre. Parfait. Ah putain, il y a une coalition contre moi, fait chier. C'est vrai? Ouais. Oh putain. En même temps, avec mon expansion agressive, une guerre dans le coin, c'était sûr. Hein. C'était sûr que ça allait arriver. Ah, il y a 67 000 du Ming qui se baladent au jaune pour là. Et il va s'occuper des rebelles en passant. Ouh, c'est chaud ça. Assam, je peux pas te vassaliser parce qu'on est en guerre, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Non, franchement, le jaune pour, je sens que ça va pas être un cadeau. Hein. Putain, mais qu'est-ce qui me réattaque cet enfoiré. Alors que je lui ai déjà pété une armée, quoi. Consolidons. En plus t'as un malus de traversée, on va te remettre 37 000 hommes dans la tronche, ça va te détendre. Alors est-ce qu'il arrive avec des renforts? Ouah non, il y a 100 000 mecs du Ming chez moi, je vais devoir me replier là. Ok d'accord, il a envoyé tout là-bas. Et en plus, il me saute dessus direct, comment ça se passe? Non, il y a lui qui va arriver en renfort. Marche forcée, je m'arrache, ça passe ou pas? C'est mort? Ah putain, ça passe pas. Il est en marche forcée sûrement. Ah non, il est pas en marche forcée, mais le temps que je finisse la bataille. Ah putain. Tant pis, on va consolider et puis on va rester là en renfort. Hein. Comment ça se passe sinon? Après, j'ai des lignes de fort qui vont pas tomber tout de suite, hein. Mais. Non, mais bon, va falloir sérieusement s'en occuper. En théorie, je peux gagner cette bataille, mais voilà, non, il va ramener 62 000 hommes en renfort. C'est mort. Sinon, tu le battais. Hein. Ah oui, hein. Bah d'ailleurs, je vais peut-être même le battre avant. Qu'il amène des renforts. Ah, c'est pas passé loin, dommage. Ça se joue pas énormément. Repliez-vous les mecs. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? T'as pas la maîtrise de soi. On gagne du karma ou on perd du karma? On en est au niveau karma, on est à zéro, on va en gagner un peu. On se replie derrière la ligne de fort, c'est pas grave. Ici on a pris le siège. Alors du coup la question c'est, est-ce que je retournerai pas au pays avec mes troupes? Je faut que j'utilise mes transports pour y aller. Bah comment il a fait vu. Ok, je peux aller au jaune pour, d'accord. Il y a 48 000 mecs du Ming là qui sont aussi en train d'aller vers chez moi. Donc ça veut dire que il va falloir que j'essaie de les choper. Donc on va essayer de les choper du coup. Je file les sièges pendant que j'y suis. Hein. Bon, on lui a stack-wipe 60 000 hommes, il les a probablement refaits. On va jeter un oeil un peu à ses réserves. Non, il a plus de 200 000 hommes. Je suis surpris, le Ming a pas tant de forteresses que ça. Si tu le dézoomes un peu. Ouais, bah il a pas dû trop se focaliser dessus. Hein. Mais bon, du coup, là, ça veut dire que.
Ouais, ça veut dire qu'on va regrouper ses armées et qu'on va essayer d'aller le choper. T'as pas moyen d'essayer de le choper, le mec qui est au-dessus de toi là, et j'arrive en renfort, les 48 000 hommes qui sont juste au-dessus de toi à Lijiang. Si, à Markham. Et à, ah ouais, non, pas à Dredzo là. Alors attends, du coup. Si. Si tu peux les choper. Je me fous en marche forcée, j'arrive avec tout ce que j'ai. On verra si ça suffit, c'est pas trop juste, mais ça devrait le faire. J'imagine que c'est de la montagne en plus, ça. Oh, c'est de la colline, ça va. Bon, bah ici, il se passera plus rien le temps qu'on se replie. Donc, quand même, il nous reste quand même 37 000 hommes, on n'a pas perdu tant que ça, ça va. Mais écoute, j'enlève la pause si ça te convient. Ça me va. Je sais pas si ça me convient, mais il faut bien. Ah, ouais. Ses troupes se séparent, c'est encore mieux ça. Ouais, bah il était en mouvement, donc normal. Par contre, ouais, il, va, les voilà, il les ramène. Il va les ramener, normal. Ouais, mais en attendant, ça fait gagner un peu de temps, on va dire. Ouais. Les talents bon, de la reine. Il y en a d'au-dessus qui étaient cachés, mais pas des tonnes. Bon, ça va, tu vas pas tarder d'arriver. Sinon, je l'éclatais bien, hein. Si on en restait là, mais. Mais bon, comme il y a des troupes qui arrivent. Un on stop, oh, c'est bah. Parfait. Il a fui. Combativité de l'infanterie, c'est parfait. Y'a personne d'autre qui nous tombe dessus. On peut poursuivre ces cons. Allez, je vais à gauche ici. Sur les 12 000 hommes, mais j'espère que j'ai un moral pas très haut, j'espère que je fais pas une bêtise. Mais Je te suis de toute façon. Et je monte aussi sur les 8 000 qui sont au-dessus là. Ah bah j'en aurais chopé que 1000 du coup. Bon, je pourrais pas me faire mieux, mais au-dessus par contre, au nord. Allez, au nord, ouais, au nord j'ai déjà des gens qui vont. Alors attends, le Yarkand va me faire un prêt. Quel genre de prêt? 40 pour 5%, pour 5%, non, ça ira. Bon, je les ai chopés ici, je vais essayer d'aller les choper un peu plus haut. Là, on va enlever la marche forcée, ça sert à rien. On va aller par ici. On va essayer de couper ces lignes de ravitaillement, hein, à l'ancienne. Hein. Ouais. Mince, on pose, pardon. Ouais, bah il passe par le Tibet, quoi. Où est-ce que je peux mettre des troupes? Attends, faut que je trouve une province où foutre mes troupes. Non, je vais me scinder tout simplement, ce sera beaucoup plus intelligent. Toi tu restes là, toi tu vas ici, vous allez vous reformer doucement. Putain la vache, il y a tellement de monde là. C'est le problème du Ming, hein, c'est qu'il a du monde et ça peut durer longtemps. Tu vas où? J'ai même pas vu qu'il est venu me prendre des territoires. Bon, je m'en fous, hein, mais... Ah oui, j'avoue. Derrière un canne, c'est pas violent. Ouais, il a sorti mes bateaux. Ça aurait pu être une stratégie pour me faire sortir, mais visiblement c'est pas le cas. Ici, ils vont où? Ici on les chope. Chez toi c'est chaud quand même. Hein. Ah putain, t'es en train de perdre une bataille là. Ah merde, j'ai même pas vu. J'arrive en putain. Renfort, mais ouais. C'est mort, bah tu vas aller récupérer quand même. Hein, mais... Ah quel con. Ah le moins de terrain là, il pique un peu. Ouais. Puis ils ont un bon général, putain. Par contre ici ça devrait passer. Bon, on va consolider et on va descendre sur le jaune pour. Ici on enlève la marche forcée et on redescend. Alors il y a encore 38 000 hommes ici, ils vont me sauter dessus je pense. Là où je suis en train de siéger. Va falloir que j'envoie des troupes chez toi. Hein. Fais gaffe, t'as 30 000. Non, ils partent au Tibet, 40 000 hommes. Ouais, c'est ceux que je surveillais, mais visiblement ils ont décidé de se barrer. Non, le jeune pour, franchement, c'est pas un cadeau. Ouais, là c'était c'est tendu. Ça étale la guerre en plus, c'est ça le problème. Ça lui a fait un angle d'attaque pas dégueulasse quoi. Vraiment pas dégueulasse. Il a pas encore passé ma ligne de fort, mais forcément il se fait plaisir quoi. Alors comment ils sont répartis? Est-ce que j'aurais moyen ici? Il y a 26 000 et 35 000. Non, c'est trop fort pour moi encore. Et sur ce flanc-là, il y a quoi? 8 000, 5 000, 1000, 17 000, c'est tout? Il y avait un peu plus que ça il y a pas très longtemps ici. On va commencer à s'y déplacer du coup. Des fois que... D'ailleurs, on va se regrouper ici. Yarkand. 52 000 hommes. Carte tampon. Hop là. Alors ici il y a un fight. Qu'est-ce que c'est que ce fight? Ok, c'est un de mes vassals qui a fait de la merde. Ah non, il a annulé son move, ok. Notre armée aurait besoin de troupes.
On va demander ça à Assam. Oui, notre armée aurait bien besoin de troupes, Assam. J'aime pas trop ces 50 000 hommes là qui se baladent là. Je sens qu'ils vont finir par faire un mouvement pour me tomber dessus, ces enfoirés. Oh. Ah non, bah, ça sert à rien. En plus, moins 42, mon siège est pas prêt de tomber quoi. Ah, faut pas hésiter peut-être à utiliser des points de militaires pour faire des brèches. Hein. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas tort, il y a ce truc là. Ouais. On va complètement faire ça. Un barrage d'artillerie. Voilà, moi j'en ai fait un. Oui, un barrage d'artillerie. Merci. C'est pas prêt de tomber. Alors ici, ça se passe comment? On va aller dessiéger des trucs. Puisqu'il a décidé de se barrer fort gentiment. La grippe! Ah, bordel! Avec les 40 000 hommes, il a l'air d'aller. Je sais pas trop où il va, mais. Ouais, Assam me file 1000 hommes. Bah écoute, c'est gentil. Oui, hein. Alors attends, ici, il y a une armée qu'on peut peut-être choper. Qu'à 3%, quoi. Si je me mets en marche forcée, est-ce que je peux les choper? Je peux les choper. C'est parti, on y va. On va essayer de choper 34 000 hommes ici sans commandant. Ce sera toujours ça de prix. Ah la vache, il y en avait 47 000 qui étaient planqués en dessous. Ah l'enfoiré. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Problème. Hein. Il va amener des renforts, mais j'amène des renforts aussi. 75 000. Allez les gars, pointez-vous. Plus vite, putain, j'aurais dû me mettre en marche forcée, ça fait mal. Ah, il y en a encore 20 000 qui arrivent. Putain, je savais qu'ils étaient quelque part, ces 70 000 hommes. Putain, on va perdre avant que mes renforts arrivent. Ah la vache, on a perdu juste avant que les renforts arrivent, quoi. C'est la tristesse. Les renforts vont se faire niquer. Bah, du coup, ouais. Alors, le siège ici, c'est fait. Bah, c'est pas grave, on va aller s'occuper des cons qui traînent encore dans mon territoire, puisque maintenant je sais que. Bah s'ils sont pas ailleurs, hein. Eux ils se replient où? Ouais ok, ils font le tour du monde, donc on peut pas emmerder avant le moment. Ici, il faut qu'on les chope ces cons là par contre, faut pas les laisser s'enfuir. Voilà, une autre défaite. On n'a pas fait de stack wipe, donc le temps qu'ils rentrent... Voilà, du coup les troupes retournent chez moi, hein. Clairement. Je suis désolé mais... Je ne peux juste pas les arrêter. Niveau réserve, on a perdu 35 000 hommes quand même. Forcément, ça pique un peu. Où sont mes... Putain, où sont mes armées là? Elles sont là. Il n'est pas tombé ce siège encore. On va se concentrer dessus puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Allez, 42%, ça pouvait tomber, ce serait cool. C'est horrible, t'as l'impression que le Ming il a armée infinie quoi. Ça sort sans arrêt. Un commandant nous a quitté quoi. Vache. Alors on va essayer de se faire des petits combats. Là il y a 22 000 hommes, ici il y en a 12 000 qui reculent. Le Yarkand a fait une alliance avec le Jaune Pour, super. Bon ils sont complètement en train de défoncer mes vassaux, mais c'est pas grave. Hein. Non c'est sûr mais bon. Ici, on peut peut-être choper quelques mecs à droite à gauche. Ce serait cool, genre là, 3000 hommes, ce serait toujours ça de prix. 70 000 hommes en haut là, au Bengale. Prolonger les impôts de guerre, bah oui, bien sûr. Bah oui, déjà qu'avec les impôts de guerre, je suis à moins 25 par tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Raid des mercenaires. Mais on n'a pas de mercenaires. C'est une blague? Ah non, c'est l'occupation par l'ennemi, et les mecs, c'est eux qui ont des mercenaires en fait. Très bien, excellente nouvelle. Vous, allez me libérer ça. Ça c'est quoi ça? Occupé par Malwa. Ah non mais c'est pas du tout, mais si c'est une guerre. Attends mais what? On n'est pas du tout en guerre contre ces gens. Non, on n'est pas du tout en guerre contre ces gens, on est d'accord.
Où sont mes forts? Ils sont ici. Donc si je reste derrière, je suis à peu près serein. Ici, on va se tenter un petit fight sur le fort qu'on a pris. On devrait avoir... Ah merde, c'est des terres arales. Putain, des terres arales au Tibet. Ça doit être le seul endroit du monde où il y a des terres arales au Tibet, quoi. Bon, l'épisode est un petit peu long, mais il y a de l'action, donc ça me dérange pas trop. Yarkand qui me propose un prêt, mais non. Ouais, il a bien proposé des prêts, Yarkand. Hein. T'hésites pas, t'hésites pas à couper l'épisode, hein, si besoin. Ah, un petit stack web, ça fait plaisir. Qui c'est qui nous attaque? C'est 1000 mecs, ok, c'est pas de soucis. Ici, son siège. Alors nous là, ah ça y est, on est plus en fuite ici. Ah, on est plus en fuite ici, parfait. Et ici, on n'est plus en fuite non plus, mais par contre on va pas s'arrêter parce que... Parce qu'il y a un peu 30 000 mecs sous nos pieds. Alors ici du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par là. Passer en enthousiasme moyen, bon c'est déjà ça on va dire. Bah on gagne toujours la guerre hein, techniquement, mais bon... Tout à fait. C'est sûr que c'est pas facile quoi. On est d'accord. Ici... J'ai fait des bêtises. Ouais non, ici t'as... Ouais non, putain, ouais non, là je me suis fait choper, voilà. Alors là, je sais pas pourquoi, mais mes troupes étaient en fuite, elles sont arrivées sur ton territoire, et du coup, bah, elles ont pu être en fuite, juste sous les pieds de 30 000 jaunes pourrés, quoi. Voilà, c'est cadeau. Ça coûte rien. J'ai fait une bêtise aussi. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis déplacé dans un endroit où j'aurais pas dû me déplacer. Enfin, j'ai attaqué un endroit où j'avais un malus de moins 3, j'ai pas fait gaffe dans la vitesse, et voilà. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ouais, ouais. J'avais beaucoup plus de troupes que lui, mais... Oh putain, la vache, ici, il t'attaque aussi. 65 000 hommes. Ouais, bah, je l'ai même pas vu, tu vois, j'étais occupé ailleurs, je l'ai même pas vu. On peut passer en vitesse 100, sinon, hein. Alors, attends, j'ai un event, là. C'est même pas ça, c'est que... J'ai tellement de trucs à gérer, c'est chaud. Non, je vais arriver trop tard, je vais arriver trop tard. Bon, je vais redemander un modèle d'armée. 565... Bah, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Tranquillement. Ouais. De mon côté, mes armées sont revenues, donc je vais essayer de les utiliser pour faire mal aux jaunes pour de nouveau. Et puis, bah, du coup, la semaine prochaine, hein, on fait la suite. C'est ça, oh, le suspense. Ah ouais, le suspense. Va-t-on perdre lamentablement ou va-t-on perdre un peu, mais pas trop? Un peu, mais pas trop. À suivre, à suivre. N'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous, si vous avez des idées de stratégie pour en terminer plus vite, et ben n'hésitez pas à nous le dire également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.